équilibre irrésistible. Désormais appelez-moi l'artiste du peuple. BBB, oui, Vecholola. Ça c'est quelle magie ça encore, yeah. Tu vas encore nous tuer avec ces mélodies. Tu verras. Bibi va vous déranger. Bibi va vous fracasser. Les mots des babies, elles sont calées, elles veulent danser haut. Les femmes africaines, on n'en parle pas, elles vont tuer haut. Le show a commencé, on ne peut pas s'arrêter. On est là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. On va tout déranger. Les beaux, attachez vos pagnes. Les gars, attachez vos ceintures. Dansez, dansez avec les reines. Décalé, 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 boucle. Eh maman loco. Changement, on y va tous les gars. Les go attachez vos pagnes, les gars attachez vos ceintures. Dansez, dansez avec les reines. Décalé, 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 boucle. Tout le monde est... Oh, ah maman loco. Ah maman loco. Tiens, frère, là, c'est devenu coco de jeter des remèdes du nard. Attachez vos pagnes, les gars, attachez vos ceintures. Dansez, dansez avec les reines. Décalé, 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 boucle. Eh maman loco. Le bébé est en train de toucher la petite. Tu n'as pas vu déjà? C'est Kamata, ouais. Dans ces éléments. Eh maman loco. Thank you.
Thank you.
sexy. C'est pour ce soir. On est là pour faire danser ton banane. Y'a les femmes du champagne ici, c'est banane. Madame d'honneur, c'est banane. On est là pour faire danser ton banane. Ton banane, on est parti. Merci de ta passion. Pour toi, je vois fixe en insistant. Et que je me mets dans mon sou. Couper des galets, un pianiste dont je frappe. Respecte mon sport, une enfer de rap. Je suis un peu tout cassé, je m'en rends dans. C'est un peu pour ta wall ou n'en a qui te l'envoie. Il faudra tout t'en parler, s'en va aller. Il t'en prend si tu laisses sur le côté. Allez, ma femme, ma femme.
que tu es déliant. Et comment se fait-il que même étant avec toi, c'est le même rapport? Ma prénom, je n'écoute pas les zombies, c'est toi que j'ai choisi. Ma baby, une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. Yeah.
Jusqu'à la mort, papa ou un père d'un Dolce Gabbana. Si tu nous aimes pas, on doit comme d'habitude. Tu les viens, t'es gué par connard. J'aurais fait monter l'adrénaline. La France est sacrée comme adrénaline. Mon âge tout est sombre comme carnet. Une ambiance à la couleur de ma mélanine. Les gars et mes cocos, on t'a la main reçue à moi. T'es en fila. 3, 1, 2, 3. Je suis le fils de tout le monde, tout le temps. Les gars et mes cocos, on t'a la main reçue à moi. T'es en fila. 1, 2, 3. Je suis le fils de tout le monde, tout le temps. Il
on s'amuse. T'es pas du tout dans ça. Y'a toujours mauvaise idée derrière les bons sons qu'on met, c'est toujours avec un sang. Y'a que ce jour, nous sommes au calme. Bientôt, on sera à la palme. On attend la jambe avec nous, comme il y a quelques sexy go qui ont du charme. Les bons sons sont nous les préférés, nous battons pour les refus. J'aurais bien voulu que vous ovationniez ce soir pour la soirée première édition de la coiffure, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez ovationner? Ben ce soir, je trouve que toutes les femmes sont belles, puisqu'on a parlé ce soir de la coiffure. Je me dis que parmi vous, aujourd'hui, même celui qui n'a pas voulu faire coiffer sa femme, aujourd'hui a rendu sa femme très très jolie. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Alors, mesdames, mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour nous aussi. Ce soir, n'est-ce pas, d'honorer toutes les femmes parce que cette soirée est baptisée comme soirée internationale de la coiffure. Et derrière ça, cette initiative vient d'une femme qu'on ne présente plus. Mère, j'aurai l'occasion de vous la présenter d'un moment à l'autre. Et avant de la présenter, je vais introduire quelqu'un, n'est-ce pas, ce soir, qui va m'assister. On l'appelle tout simplement Eric Choco. S'il avait moi, Eric Choco, est-ce que vous êtes là ce soir? Si les filles de Matongue sont là, faites du bruit, s'il vous plaît. Si les filles de Matongue sont là, faites du bruit. Une fois de plus, bonjour à tout le monde. Excusez-moi pour le retard accusé par ce temps imprévu par nous. Si vous êtes ce soir, c'est parce que nous sommes contents de vous. Si vous êtes contents de vous, applaudissez pour vous. Applaudissez pour vous si vous êtes contents. Comme c'est la soirée internationale des femmes, des coiffeuses, est-ce que je suis bien coiffé? Est-ce que je suis bien coiffé? Si je suis bien coiffé, je suis pas bien coiffé, ça peut aller, non? Si je suis bien coiffé, t'as pleuré pour moi. Cette dame qui m'a coiffé ce soir, c'est une dame qui a l'habitude de me coiffer lors des grands événements comme aujourd'hui. C'est une dame qui a l'habitude de me coiffer quand je sors. C'est une dame qui a l'habitude de me coiffer quand je veux faire les interlocs ou quelque part. Si aujourd'hui je suis parmi vous ce soir, c'est grâce à une grande dame que je vais introduire tantôt. Et si cette dame est là, elle s'appelle Flore. Flore que je vais aller chercher. Vous savez, dans la vie, on dit... Le bonheur n'attend pour la durée de la réussite. Je vais aller chercher Flore qui viendra pour vous. Applaudissez sur vos ovations, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, vous pouvez le mentionner, s'il vous plaît. Va chercher, n'est-ce pas, celle qui a eu une bonne initiative de porter ce projet en main. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le terme. Flore bien aussi. Oui. Autant pour moi, c'est sûr que Flore bien aussi. Ah, mais oui, si elle peut entrer avec moi, vite ce mot. Oui, avec les points de l'or. Ce sont ses doigts. Flore, viens avec moi. À cause de tes doigts, on veut gâter ton nom. À cause de tes doigts, on veut gâter ton nom. Allez, chalons, allez, qui t'es là? Floré, 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 Beyoncé. Floré, 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 Beyoncé. Tapez le poids, s'il vous plaît. Voilà. Chers amis, comme je vous le disais tantôt, je vais lui arracher quelques mots pour vous. Flore, quand tu vois tout ce public, toutes ces personnes qui sont déplacées pour toi, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la famille Matongue. Bonsoir à tous les invités. Vraiment, il y a tout le monde parce que je n'attendais pas tout ce monde aujourd'hui. Et vraiment, je suis très émouvant, vraiment. Et le Seigneur qui vous a ramené ici, qui vous ramène encore, de la même façon, chacun dans son cœur. Merci. Que la soirée continue. Est-ce que vous pouvez nous passionner, s'il vous plaît? Vous pouvez nous passionner? On applaudit, s'il vous plaît. Et voilà, c'est pas fini. Vous savez, mesdames et messieurs, derrière cette grande dame, voilà, elle n'a pas commencé de manière intempestive, mais derrière elle, il y avait assez trop de personnes qui se sont présentées pour l'initier.
Et dès son initiative, elle a eu l'idée, n'est-ce pas, de vous unir ce soir. Ce qui fait que je vais donner la parole, n'est-ce pas, à l'une de ses marraines. Elles sont toutes entourées. La marraine, elle n'est pas seulement la marraine de Flore, mais aussi elle est marraine de l'artiste surprise que vous l'aurez ce soir. Alors on l'appelle Mafo, si vous pouvez l'ovationner, s'il vous plaît. Vos ovations. Mafo, si tu as quelque chose à dire, puisque tu restes la marraine initiative de cette jeune princesse charmante ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Si les filles de Matongé sont là, faites du bruit, s'il vous plaît. Est-ce que les Congolais sont dans la salle? Merci. Voilà, je remercie d'abord le Seigneur de nous avoir réunis ici nombreux. La force tranquille que voici présente devant nous. Je voudrais que tout le monde ici présent puisse féliciter cette petite. Je dis cette petite parce qu'elle est ma petite sœur. Et elle est très grande d'esprit. Ce projet est né il y a de cela quelques mois. Et personne n'a cru. Mais moi, personnellement, j'ai cru à ce projet. C'est pour ça que je l'ai soutenu jusqu'au bout. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont soutenu ce projet de pouvoir en faire un grand bruit, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire du bruit? Ceux qui ont pu à soutenir le projet. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. Matongé, tout le monde présent ici ce soir et d'autres par ailleurs ont souvent l'habitude de prendre Matongé pour une image autre que ce que nous avons ce soir. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous êtes à Matongé, on dit c'est la racaille, c'est du n'importe quoi, ce sont des panthères. Mais je veux vous dire ce soir que les filles de Matongé sont des filles concrètes, sont des filles entreprenantes et des filles de Matongé, grâce à Matongé, grâce à nos aiguilles, nous avons pu, c'est-à-dire concrétiser des projets, n'est-ce pas des filles? Et je parie que tout le monde ici présent a eu déjà un euro qui vient de Matongé. Si je manque, que Dieu me punisse. Et je voudrais que nous félicitons vraiment Flore Beyoncé qui a vraiment pris l'initiative de porter l'image de Matongé très haut. Parce qu'on avait toujours une mauvaise image de Matongé en disant voilà Matongé, c'est du n'importe quoi, c'est ceci, cela. Et vraiment, ce n'est pas ça. Je veux vous dire ce soir que à Matongé, nous avons réalisé des grands projets grâce à nos aiguilles. N'est-ce pas les filles? Alors merci à toi, Mafo. Merci. Je voudrais présenter une grande sœur que nous avons rencontrée à Matongé et qui était déjà dans la coiffure pendant des années et qui nous a toujours eu à encadrer et tout. Elle s'appelle Dominique. Dominique, est-ce que si tu veux venir sur le podium? Dominique, est-ce qu'elle est là, Dominique? Maman Dominique, elle est présente. Sur vos émotions, s'il vous plaît. Maman Dominique, merci. Oh, mais disons, elle est super charmante. Merci, Maman Dominique. Si on t'appelle ici, c'est pour dire quelque chose au sujet de ces charmantes dames qui sont présentes ce soir. Alors, Maman Dominique, qu'est-ce qu'il te dit, puisque tu es la maîtresse, l'initiatrice de ce projet, ou bien la formatrice, si je dis comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux dire quelque chose, Maman Dominique? Bonsoir, bonsoir. Remercier la communauté africaine, plus particulièrement la communauté camerounaise. Vous savez, aujourd'hui, grâce à cette femme, à cette demoiselle qui s'appelle Flore, je vous en prends rien, qui nous a réunis ce soir pour nous permettre à revaloriser la coiffure africaine. Parce que ça a été toujours un boulot qui a été très tabou en Afrique. Donc aujourd'hui, je me permets à toutes les femmes, pas simplement la femme, la coiffeuse, mais toutes les femmes qui travaillent, que ce soit dans le milieu d'esthétique, que ce soit infirmière, de ne pas se dire que voilà, je fais un boulot
comme ça pour me battre. Mais sachez que toutes les femmes africaines ici se battent pour concrétiser quelque chose. Donc aujourd'hui, je me demande à toutes les femmes, surtout aux coiffeuses, de se dire qu'elles font un boulot comme tous les autres boulots. Et alors, dites-vous que chaque femme qui exerce un boulot doit être fière de son boulot. Et que je vous dis bien, toutes les coiffeuses, soyez fières de votre boulot. Parce que c'est quelque chose qui nous permet franchement d'évoluer. Et merci beaucoup et passez une très bonne soirée. Alléluia! Alléluia! Merci à toi, merci Dominique. Merci à toi. C'est vraiment ça. Merci à toi, Pat Cole. C'est l'occasion. C'est également, mesdames et messieurs, inviter sur cette piste une personne qu'on ne présente plus pour un petit mot. On me l'a dit. Elle s'appelle l'artiste camerounaise Sandra Khalifa. Elle est là parmi nous, Sandra Khalifa. Sandra, elle est où, Sandra? Elle est où, Sandra? Elle est là, Sandra Khalifa. Sandra, est-ce que tu cherches moi? Aussi charmante que toujours. Elle est toujours là, Sandra Khalifa. Ouais. Alors, à partir de ce soir, vous allez connaître une chanson. Aujourd'hui, elle est internationale, Sandra Khalifa. Ah oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est quoi? Bonsoir. Est-ce que Matongue est là ce soir? Oui. Est-ce que Matongue est là ce soir? Oui. Lelo Makambo, Lobi Makambo, Nalembi. Lelo bitumba lobi koswana e na baye ye na. Merci Patrick. Vous savez pourquoi j'ai fait ce petit mot en lingala? Parce que tout simplement, moi j'ai commencé aussi à Matongue. Aujourd'hui, je chante mon premier disque Enni à Matongue. Et nous, les Camerounais, on a trouvé les Congolais à Matongue et on s'est intégrés. Donc, je sais qu'on parle tous lingala ici. Toutes les coiffeuses de Matongue parlent lingala. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Merci, Patou. Ok, moi je ne vais pas être très longue. Je voudrais seulement dire bonsoir à vous tous et j'espère que vous allez bien vous amuser avec Pat Cool et surtout passer une très belle soirée. Je n'oublie pas de dire que Flore, vraiment, malgré tout ce qui se passe, je pense que vous avez aussi vu les choses qui se passent dans les réseaux sociaux et tout. Nous, on n'est pas d'accord avec tout ça. On ne gère pas les clashs sur les réseaux sociaux. On s'en fout de ça. On reste soudés. Et en plus, j'ai vu qu'on est tous là ce soir. Ça veut dire qu'en Belgique, on est soudés. Est-ce que Matongue est soudé? Oui. Donc, vraiment, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Flore Béhanté parce qu'elle a eu le courage d'organiser, de mettre Matongue en valeur. Matongue en couleur. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Merci pour toi. Merci. Si tu apprends le chemin, je m'en fous. Tu vas te retrouver au village de si je savais. Vous voyez, mesdames, mesdames et messieurs, le message ce soir est passé. Et pour ne pas être très long et pour soutenir, n'est-ce pas, ce projet, puisque ici reste la première édition. Alors, c'est pour cette raison que ce soir, toutes les femmes ici présentes sont très très jolies. Je voudrais, n'est-ce pas, via ce micro, également remercier ceux qui soutiennent ce projet, ceux qui ont eu l'occasion, n'est-ce pas, de mettre leur image, leur effort pour soutenir, n'est-ce pas, Flore de...
Flop Beyoncé, on va dire ça comme ça. Je remercie CGT World, je remercie Espace Voyage, Monogram, Café Marinette, Café Chorosa également. Je n'ai pas oublié Café Les Tropiques, Canada International, on va parler de Big Nega, et le sponsor officiel de cette soirée que je vais vous demander de ovationner, TSS Maritime. Est-ce que vous pouvez nous passer je vous rassure, s'il vous plaît. C'est une entreprise qui fait dans l'import et sport et qui est toujours prêt à soutenir la culture, pas seulement camerounaise, mais je dirais africaine. Est-ce qu'ils sont là, TSS? Merci pour ton présent. Alors, Richoko, si pour la suite du programme, tu as quelque chose à dire, je ne sais pas. Oui, Christian, j'ai quelque chose toujours à dire. J'ai toujours à dire. Nous remercions l'Esprit des Fertes Collections de Belgique, les amis de la diaspora de Belgique, la famille congolaise qui est présente parmi nous ce soir. En passant, on a dans cette salle le président des Malins qui a son anniversaire et que Fleur Beyoncé m'a demandé d'annoncer l'anniversaire. Est-ce que parmi nous ce soir, Gisela de Bruxelles est là? Est-ce que le président Malin est là parmi nous ce soir? Gisela, lève-toi s'il te plaît. C'est une occasion surprise. Lève-toi s'il te plaît. Alors, on a pu l'introduire parce que... Lève-toi, il a un an de plus. Il a un an de plus. Vous êtes sans ignorer ce que la communauté Malin représente dans la diaspora. Justin, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai préparé la capella pour toi. Je ne sais pas si tu es prêt pour moi. Le niveau est fait. Non, je vais faire le petit niveau, le petit. Pas le grave. D'accord. Je vais faire la capella qui a pu perdre de nous à mon frère Justin. Est-ce que son gâteau est prêt là? Est-ce que son gâteau est prêt? Si son gâteau est prêt, appelez-le. S'il vous plaît, et si le gâteau d'anniversaire de Justin Kong est prêt, je demande à tous ses amis de se lever pour cet après-midi. La famille Palais, c'est un honneur ce soir, mesdames et messieurs. Est-ce que la famille Palais est prête ce soir, ce sacré pour Justin Kong, le président de Palais? Est-ce que la famille? Anniversaire. Et vous restez surprise. Ce qui est curieux dans tout ça, c'est que lui-même est surpris de son anniversaire. Maman, je suis calé. Je ne sais pas du tout. Je ne vois pas si je pouvais. Ouais. Juste pour te voir sourire. Jusqu'à la fin de nos vies, si je pouvais, je le ferais. A tous les autres filles, hasta la vista, à ma te plaît, ouais. Et voilà, ça s'appelle le gâteau d'anniversaire. Justin Kongé, aujourd'hui, ça vous en un peu plus. Jamais, 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 jamais. Et voilà, jamais, 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 jamais. Et voilà, pas proposé, merci. Je vais te chanter, je vais chanter pour toi. Ok? Oui. Gisela, un an de plus à se mettre. Je vais improviser pour toi, ok? Anniversaire de Gisela, un an de plus au sas fête et d'angaye. Un an de plus au sas fête et d'angaye. Pour remercier ta maman, parce que t'as un an de plus aujourd'hui là. Pour remercier ton papa, parce que t'as un an de plus aujourd'hui là. Joyeux anniversaire, ouais. Un an de plus au happy birthday to you. Un an de plus, happy birthday to you. Un an de plus. Merci à toi, Rick. Merci, Gisela. Merci à toi, Yannick. Merci à toi, Gisela. Et voilà, je prends que. Scupelli et Pierre-Montel de Bruxelles. Merci à vous. Merci, merci ce qu'on vient de faire, Gisela. Merci. Eric. Merci à Gisela.
Ramenez le gâteau ici. L'honneur lui a donné ce soir. Et si vous pouvez en ce moment vous retirer pour la coupure du gâteau, ça serait un plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, merci à toi, Rita. Mesdames et messieurs, si vous me permettez de demander encore une ponctuation à ce sponsor officiel, ils sont présents parmi nous. Je vous ai parlé tout à l'heure de GT World. Je vais vous demander de mentionner pour cette entreprise, s'il vous plaît, GT. C'est l'un des grands sponsors de cette soirée. Alors, c'est celui qui a eu à soutenir ce projet, il est à Matongé. Je n'ai pas manqué de mentionner également PSS Maritime, ils sont présents. Pour ne pas être trop long, mesdames et messieurs, je vais vous remercier, remercier les marraines également. Je vais parler de Pêcherie de Bruxelles, Maman Ministre Internationale, Sidonie de Bruxelles, Berthe de Bruxelles, Mémé Volpone. Alors, celles qui soutiennent le projet, celles qui sont là derrière Fleur. Mais maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'occasion de vous émotiller au maximum parce que les gens ont souvent tendance de croire que les coiffeurs de Matongé, ce sont les filles ratées. Mais ce soir, je vous dis que les filles de Matongé sont des filles valeureuses. Est-ce que c'est vrai? Oui. Voilà. C'est l'occasion pour vous, mesdames et messieurs, de vous amuser au maximum parce que ce soir, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Et ici, pour vous plonger, n'est-ce pas, dans cette piscine musicale, je vais vous laisser le rythme à notre mix maestro DJ international Paco, que je vous demande de passionner également très très fort, s'il vous plaît. Oh ben dis donc, Pat, si tu es chaud, tu me dis quelque chose, je vais décompter. Et avant de décompter, on va faire quelque chose, on va passer une nouvelle. Soit disant que ce soir, les coiffures sont à 10 euros, donc les coiffures sont gratuites. Vous allez voir faufiler parmi vous des tickets de tombola. Et nous allons passer bien après au tirage au sort. Pour celui qui aura acheté un ticket de 10 euros, alors il sera passé immédiatement, on va le faire passer immédiatement à une coiffure au choix, même si c'est avec les messes brésiliens. On va le faire. C'est 10 euros le ticket seulement. Je ne veux pas manquer de remercier la présence de Mimosa. C'est toujours un grand coiffeur. Il est parmi nous. Alors, si pendant ce temps, je crois que l'information est passée, toutes les coiffures ce soir, c'est 10 euros seulement. Bon, achetez juste le ticket, nous allons passer bien après au tirage au sort. Et après le tirage, nous allons offrir à qui de toi, le ticket, une coiffure gratuite. Didier, si c'est prêt, tu nous poses le son, et puis les gens vont s'amuser jusqu'au petit matin, en attendant la suite de la soirée. Merci! Monsieur, est-ce que tu peux me dire quelque chose concernant cette soirée? Mesdames et messieurs, bonsoir. Et j'allais dire, laissez-moi un bonjour, citoyen républicain de Prince Aziz, l'un des délégués de l'association des banques du Benelux, représenté ici ce soir par les dignitaires. Que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Ce sont les dignitaires Bangolap. Je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci à Beyoncé, la force tranquille, qui a eu ce succès d'oreille d'organiser cette soirée. Mesdames et messieurs, vous permettriez que je vous, on va dire, délivrasse le message relatif à la semaine culturelle des Bangolap du Benelux qui aura lieu en août 2017 à Bruxelles. Déjà le 4 août à Anderlecht, dans la salle Cosmos, il y aura une grande conférence, que dis-je, une causerie éducative ayant pour thème l'AVC, comment s'en prémunir. Nous allons faire venir deux cardiologues experts à la matière pour nous en dire davantage sur cette maladie mortelle, fatale, létale. Mesdames et messieurs, le samedi 5 août, à partir de 9h au stade Anderlecht, ce sera un grand tournoi de football avec des animations diverses, folkloriques, traditionnelles, avec du barbecue et autres cérémonies. Et le samedi 5 août à 20h,
c'est le coup de l'événement, c'est l'attraction principale, c'est l'apothéose de notre semaine culturelle qui sera articulée par ce qu'on appelle une soirée camerounaise, africaine, baptisée la grande nuit d'identité Bangoula. C'est une soirée, on va dire, au parfum esthétique, thérapeutique et même éthique. Mesdames et messieurs, nous vous y invitons tous. Nous vous y invitons tous. Nous vous invitons tous le samedi 5 août 2017 au Birmingham Palace. Mesdames et messieurs, votre présence nous honorera. Merci beaucoup, Christian Mix. Et le 5 août 2017, s'il vous plaît. J'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de vous introduire de manière solennelle celui-là qu'on ne présente plus et qui reste l'homme incontournable dans sa génération, le meilleur, l'incontournable. Il est là parmi nous, Charlie Chopin. S'il est là, Charlie Chopin, avec son manager. Avec son manager, il est là, Charlie Chopin. Regardez. Il est là parmi nous, Charlie Chopin. Alors, je te donne l'occasion, parce que les invités t'attendaient. Je te donne l'occasion, n'est-ce pas, de directement faire ta prestation, parce que bien après, tu auras l'occasion, n'est-ce pas, de les entretenir. Charlie Chopin, attends le micro. DJ, si c'est bon, tu peux me faire quelque chose. La vie est un chemin des amis, n'est-ce pas, les beaux pour vivre nous là. On peut vous les affirmer, nous c'est bon, nous bébé. La vie privée de jamais, oh. Moi nous les Africains, nous c'est bon nous bénir. De la vie privée des autres, oh oui. Napoléon, Napoléon, Miss Charlotte, la reine Patine et Bruxelles. Moi nous les Africains, nous c'est bon nous bénir. De la vie privée de jamais. La petite Africain, c'est la jalousie, maman ou Mumbai. Si je suis gigolo, c'est ma vie. Est-ce que je me suis dit?
Omar Ali. Ah ouais. Je me suis voulu. Oui. Je me suis voulu. Le grand polygone là. Merci. Après cette fois, je suis. Quitter sur la scène sans jouer quelque chose qui est de la West Cameroun. La nigue est bien née, Ah ouais, j'attends ton frère Malé, ils sont là pour me soutenir.
Tout de suite, mais normalement je devais être encore en train de lui demander deux petits mots. Malheureusement, vous l'avez emporté, mais je vais pas clôturer cette soirée sans donner encore un certain remerciement à toutes les personnes qui ont pu disposer, à toutes les personnes qui ont pu sacrifier de leur temps, n'est-ce pas, pour venir encourager cet événement, pour venir encourager cette initiative. Et maintenant, nous vous annonçons que le bouillon, on sent qu'il fait chaud, nous vous annonçons que le bouillon est ouvert à la cuisine à 5 euros, tous ceux qui se sont fait creuser le ventre. Alors, je vais également profiter de cette occasion pour faire une petite dédicace à l'association La Gazelle qui est présente. La Gazelle, si vous êtes là, je vous dis merci et merci de votre présence. Mesdames et messieurs, sans toutefois être entre le trébuchet ou quoi que ce soit, je vais encore vous donner rendez-vous le 7 avril pour la prochaine audition, parce que celle-ci n'était que la première, et une manière comme ça d'associer toutes les communautés confondues de Matonguay, initiée à la coiffure. Alors, l'initiative a été prise par cette charmante dame de Flore. Merci à toi, Mimi. Merci aux encouragements, merci à tous ceux qui ont y participé, merci aux différents sponsors, sans oublier TSS Maritime. J'ai également mentionné GMT International, le sponsor officiel de cette soirée. Alors je vais laisser la parole maintenant dans une piscine musicale de DJ Bakoul. Merci, merci.
voit tous les malins. On se voit en 2018 avec Patrouille. Monsieur Dimitri, veux-tu me fuir? Le plus riche des les trois frontières, il est là ce soir. Regardez sa table. J'attends 200 euros. Moi c'est Nkoye Arnaud, je remercie les filles de Matonga depuis Bruxelles pour la soirée et vraiment ça s'est bien passé et je suis très heureux vraiment de découvrir les filles de Matonga et la soirée s'est vraiment bien passée. Je vous apprécie d'abord ponctuellement, je vous dis merci, je vous apprécie par rapport à la soirée des coiffeurs et des coiffeuses de Matongé. Bruxelles. Aujourd'hui, avec ton grand frère. Je vous dis merci précisément, je suis avec mon grand frère Guizot de Bruxelles, Guy Rafkat de Bruxelles, de la rue Eva. Je suis avec ma soeur Stéphanie. Stéphanie Prado, s'il vous plaît. Je suis de avec Bruxelles. Mes copines. Mes je suis une coiffeuse internationale. Je suis avec mes depuis trois les jours. Clients je suis représentée sur Cameroun. Franchement, je vous dis merci pour cette soirée. Les clients fidèles. Et je vous dis vraiment merci pour cette soirée parce que c'était vraiment délicieux. Viens montrer ton visage. Je dis merci à Flor Biancé. Coucou, bonjour. En fait, je tiens à remercier tous ceux qui ont honoré de leur présence à la soirée des coiffeuses, la soirée du jamais vu à Bruxelles. Et la soirée était tellement belle, un total succès. Je suis venu soutenir ma petite sœur qui s'appelle Millie Flop, Force Tranquille. Alors, elle nous a montré qu'elle était une force tranquille. Je me suis déplacé de très loin pour venir la soutenir. Alors là, c'est le feu. Le feu. Millie, continue dans ta voie. Et tout sera bien. Oui, bonjour, bonjour. C'est Clara de Bruxelles. Clara de chez papa. Toute contente de cette soirée. Franchement, ça a été une réussite vraiment, vraiment, vraiment parfaite. J'ai aimé, la soirée était belle, je me suis bien amusée. Et je dis merci à Mimi Beyoncé pour cette initiative. Franchement, c'était vraiment une très belle soirée. Bisous à la famille au Cameroun, je vous adore. Love, mouah, mouah, mouah. Bonjour à tout le monde. Je suis la vice-présidente de la réunion des Bangoulas de Bruxelles. La soirée était vraiment belle. Merci à Beyoncé. Merci d'avoir l'idée d'organiser cette soirée. Vraiment, ça prouve que les Camerounaises et les Camerounais vraiment vivent à Bruxelles et peuvent encore faire quelque chose. La soirée vient de se terminer, donc nous sommes en train de rentrer à la maison. La soirée a bien été, donc on remercie tous les Camerounais. Ça a été bien, on a aimé la soirée et c'était cool. Bonjour famille du Cameroun, je remercie la soirée. La soirée était très belle. Je salue toute ma famille du Cameroun, ma belle famille. Et vraiment que Dieu vous bénisse et que vous soyez en santé. Merci. Oui, bonsoir la famille. Ça fut une très belle soirée.
la soirée des femmes, des coiffeuses de Matonguay. Vraiment, que cet amour va en avant, que la communauté camerounaise, la communauté africaine soit unanime et qu'ils s'entraident. Je profite de l'occasion pour vous dire ceci, la soirée était très belle, on s'est bien amusé et vraiment ça a été fantastique. Je félicite cette princesse Flo qui a pu réunir autant de Camerounais, autant d'Africains, autant de personnes. On dit souvent la grandeur, ça ne se voit pas, c'est pas parce qu'on mesure plus qu'on est grand. C'est une grande personne et je remercie bien tous ces gens qu'elle a réunis et tous ceux qui ont appuyé, qui ont soutenu cet événement pour que ça se déroule dans de bonnes conditions. La soirée était très bien et puis je dis bravo à ma fille Flore. Franchement, elle a eu une très bonne idée. Je lui tire chapeau et merci beaucoup. Vraiment satisfaite, très heureuse, très émue. J'ai sacrifié ma soirée pour Milly Flore. Elle a été au top des tops. En tout cas, chapeau. Je dirais bravo pour une première édition. C'était la cata, régalée à gogo. Champi façon, 18 ans, Ruina. Franchement, tu as une équipe typique. Hein. Ce n'est pas le chipotage, ce n'est pas la bière. Ici, c'est une équipe. Donc, l'année prochaine, c'est arrivé avec tout ce que ça a pu apporter. Mais nous sommes là pour toi. Également, comme tu nous soutiens, on te soutiendra, c'est jusqu'au bout. Première semaine du mois d'avril, prochaine édition. En plus, le mois d'avril, c'est mon anniversaire. Je ne vous dis rien, mais ça va se fêter. Avec mon 10, mon champion Toscani la fleur. Ce fut une excellente soirée, une grande surprise de notre sœur. Nul n'a cru. Par rapport au crash et tout ce qui a été dit, ce qui était inventé, ce qui était réinventé, ce qui était instauré, ce qui était saboté, ce qui était témoigné, doigté de tout ça, ce soir, ça prouve que c'était nul et zéro. On dit un gros zéro. Pas de singleton, mais un gros zéro. C'est notre sœur et c'est notre sœur, c'est la famille. Donc, on l'encourage pour la prochaine édition. C'est tout. Merci au fil de Matonga. Tu es pour bravo. Tuer. Ciao. Tu es pour tuer. On ne chipote pas, Flore. On t'aime. Tu as compris? Également. Les mots me manquent. Pour une première édition, c'est une réussite totale. Bravo à Milly Flore, la force tranquille. Bravo à la fille aux doigts d'or. Bravo à Flore Béoncé. Une fille de cœur, une fille gentille. Que le Seigneur la bénisse. Pour une deuxième édition, on fera mieux. Nous-mêmes, nous mettrons la main dans la pâte. Et ce sera une réussite totale. Pour une première édition, vraiment, j'ai dit, ça a été formidable. Merci. Par rapport à la soirée des filles de Matonguay, elle a vraiment été super. J'ai vraiment aimé, donc les mots me manquent. Tout ce que je peux dire, c'est waouh.